Jumelage linguistique, c'est le nom du programme, consiste à mailler des étudiants spécialisés en enseignement du français, en littérature, en linguistique et des commerçants dans des quartiers plurilinguistiques de Montréal. Le programme de jumelage linguistique est particulièrement novateur et on en est très fiers. C'est un programme qui amène le français chez le commerçant, chez le petit détaillant, pour lui permettre d'apprendre le français en même temps qu'il tient boutique. On a vraiment ciblé le besoin exprimé par le commerçant en lien avec son domaine là, d'activité. Si on enseigne dans le dépanneur, c'est vraiment le champ linguistique, le champ lexical d'un dépanneur qu'on va enseigner à notre commerçant. C'est un projet qui permet une campagne de sensibilisation dans toute la communauté autour de ces commerçants-là, ce qui fait que ces commerçants qui apprennent le français vont converser en français avec leurs clients et vont aussi être encouragés à apprendre le français. C'est à travers ces macarons qui sont portés par nos commerçants de dire que j'apprends le français, j'aimerais qu'on m'encourage. Comment il faut qu'on m'encourage? À travers une conversation beaucoup plus lente, en m'apprenant par exemple un nouveau mot et en m'encourageant. C'est une initiative donc qui est globale, très terrain, et qui amène et les commerçants à se franciser et la population à sensibiliser à l'importance d'aider les immigrants à apprendre le français.